Hello. Nouvelle notion aujourd'hui, tempo. Donc le tempo, c'est le rythme auquel tu effectues un exercice. Donc jusqu'à maintenant, on a fait ça, voilà, simplement en nombre de répétitions, mais on commence à ajouter une nouvelle notion qui est une notion de rythme. Donc je vais le faire sur le biceps pouli, d'accord? Ce sera plus simple pour toi à la compréhension et pour moi à expliquer aussi. Donc en fait, un exercice, tu as quatre phases. Je vais les faire dans le rythme où elles sont écrites, d'accord? Donc tu as quatre chiffres, 3, 0, 1, 0 sur le petit mail que je t'ai envoyé. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase excentrique. C'est quand le muscle s'étire. Donc sur l'exercice biceps pouli, donc c'est la phase descendante. D'accord? Donc sur cette phase-là, tu vas faire 3 secondes. 3, 2, 1. La deuxième phase, c'est la phase de pause à l'excentrique. D'accord? Donc quand tu es complètement en bas ici, c'est le deuxième chiffre. Le chiffre, c'est 0. Donc tu ne passes pas de temps en bas. Donc on reprend, ça fait 3, 2, 1. Puis le troisième chiffre, c'est la phase concentrique quand tes bras remontent. 1. Et ici en haut, tu ne fais pas de pause et tu redescends. D'accord? Donc premier chiffre, 3. Ça fait 3, 2, 1, 0. Boum. 1. Et 0 en haut encore. Et ça fait 3, 2, 1. Boum. 3, 2, 1. Boum. 3, 2, 1. Boum. OK? Pareil sur les triceps, même principe. Donc ici, ça fait 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1. OK? S'il y a le moindre souci, tu m'appelles ou tu me le dis et je te réexplique.